Quand les militaires maliens, les colonels, ont pris le pouvoir, ils n'ont pas suspendu la constitution. Donc là, on va rentrer véritablement dans le dur, dans le vif du sujet du Mali, où nous allons faire une analyse critique, sans fioriture, parce que absolument, nous aimons le Mali, nous voulons la réussite du Mali, nous ne sommes pas des adversaires du Mali. Et comme nous ne sommes pas des ennemis ni adversaires du Mali, nous allons dire les choses telles qu'elles sont, en tout cas telles que nous les voyons. Parce que quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Ce n'est pas en caressant les autorités maliennes dans le sens du poil qu'on leur rendrait service. Et si nous voulons que notre continent, que notre peuple sorte de la souffrance, de la domination coloniale dans laquelle il vit depuis des siècles et des siècles, il va falloir regarder la vérité en face, la dire de manière claire et simple. Donc, les colonels maliens, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont commis une faute grave. C'est que les colonels n'ont pas suspendu ou neutralisé la constitution qui régissait le pays en ce moment-là, donc la constitution de 1992. Cette constitution qui a été complétée par la charte de la transition, ce que les Maliens appellent la charte de la transition, cette constitution, elle est toujours en vigueur. Et comme n'importe quelle constitution, cette constitution-là de 92 prévoit les mécanismes de sa révision. Une constitution, c'est la loi fondamentale qui guide un pays. Il se fait que dans les enclos coloniaux africains, les constitutions sont calquées sur le modèle français. Donc, comme nous sommes des colonies, comme nous sommes des enclos coloniaux, évidemment, nos constitutions, soi-disant, sont des pâles copies de la constitution française dans l'espace francophone. Dans l'espace anglophone, on a copié plus sur la constitution anglaise et sur la constitution américaine. Et dans l'espace lusophone, on a copié sur le Portugal, etc. Donc les constitutions africaines présentent dans leur forme et dans leur fond des ressemblances et des similitudes avec les constitutions des métropoles. Du coup, la constitution de 92 au Mali est toujours en vigueur avec toutes les imperfections que les compatriotes maliens n'ont cessé de relever durant toutes ces années. Et donc, c'est cette constitution de 92 qui est complétée par ce que les Maliens appellent la charte de la transition. Et le problème, c'est que aujourd'hui, cette constitution étant encore en vigueur, les autorités maliennes actuelles veulent réviser cette constitution-là. Mais simplement, les mécanismes prévus par sa révision ne sont pas activés. Donc, la première des choses que les autorités maliennes actuelles ont loupé, c'était de n'avoir pas mis en parenthèse et mis à la poubelle cette constitution de 92 et ne fonctionner que sur la base de la charte, tout simplement. S'il n'y avait que la charte de la transition comme base légale à tout ce qui se passe au Mali aujourd'hui, la question de droit ne se poserait pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un débat au Mali. Parce que comme les autorités maliennes prévoient une révision de la constitution, adopter une constitution nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des juristes dans ce pays, vissés aux procédures juridiques, contredisent les autorités en disant, ben non, la constitution de 92 étant en vigueur, d'abord, vous, en tant que poutiste, vous n'avez pas qualité à modifier cette constitution-là, et puis de deux, la voie prévue, ce n'est pas celle-là, et troisièmement, le fond de ce que vous faites, nous ne le soutenons pas. Du coup, il s'est créé au Mali aujourd'hui, autour du prochain référendum qui va avoir lieu le 18 juin prochain, des oppositions énormes. Non seulement des juristes s'expriment pour s'opposer à cette révision, mais aussi des partis politiques s'expriment pour s'opposer à cette nouvelle constitution. Troisièmement, une partie de la communauté musulmane conteste de manière très violente cette nouvelle constitution parce que, selon cette communauté, la nouvelle constitution comporte la laïcité. C'est-à-dire que dans la nouvelle constitution, ce qui est déjà dans l'ancienne constitution, c'est que le Mali est défini comme un État laïque. Un État laïque, c'est-à-dire un État qui ne prend pas position en faveur de telle ou telle religion qui permet la liberté de culte, la liberté de religion dans le pays. Et donc les musulmans, en tout cas une partie de la communauté musulmane, s'opposent
fortement à ce texte et appelle même à voter contre. C'est d'ailleurs cette communauté musulmane qui a poussé les autorités maliennes à reporter une première fois ce référendum qui finalement va avoir lieu le 18 juin prochain. Donc là, également, les autorités maliennes ont fait preuve de naïveté ou en tout cas d'incongruité et d'illogisme. En faisant un coup d'État, la première des choses à faire, c'était de supprimer la constitution qui était en cours parce que le coup d'État était venu interrompre un faux processus démocratique basé sur une constitution qui est une pâle copie de la constitution française. Donc, il fallait absolument supprimer cette constitution-là et n'agir que sur la base de la charte de la transition. Malheureusement, les colonels maliens n'ont pas fait ça. Ils ont laissé la constitution de 92 à laquelle ils ont adjoint la charte de la transition, ce qui ne fait pas du tout sens. Et là-dessus, il y a des oppositions graves aujourd'hui au Mali sur ce texte constitutionnel. Les forces étrangères appuient les partis politiques pour faire échec à ce projet constitutionnel. Et ceci, d'autant plus que les autorités maliennes n'ont pas eu le courage de dissoudre complètement un certain nombre de partis politiques, parce que c'est ça qu'il fallait faire. Si vous voulez que l'Afrique renaisse, que le Mali renaisse, il va falloir prendre des mesures radicales, peu importe ce que les gens disent, peu importe l'opinion de ceux qui sont les suppôts de la colonisation au Mali, peu importe l'opinion de la CEDEAO, etc. Tous les grands pays qui ont fait leur renaissance n'ont pas écouté tout ça, n'ont pas écouté la voix des autres. Ces gens ont assumé leur responsabilité devant l'histoire. La Chine en est un exemple. Je vais toujours donner l'exemple de Mao. Quand Mao et ses amis, en 1949, ont renversé le pouvoir fantoche de Chiang Kai-shek, renvoyé sur l'île de Taïwan, Mao et ses amis ont refondu complètement les institutions coloniales dans le pays. Et ils ont tout démoli et ils ont reconstruit le pays le temps qu'il faut. Mais maintenant, les autorités maliennes, prises à la gorge, mises sous pression de la CEDEAO, captive la France, parce que la CEDEAO, c'est vraiment un instrument français, et au-delà même, c'est une caisse de résonance de l'OTAN. La CEDEAO est une aile marchande de l'Union européenne. Tous les textes de l'Union européenne sont retranscrits dans les textes de la CEDEAO, etc. Et donc, la CEDEAO, sur ordre, met sous pression les autorités maliennes pour les pousser à aller vers des élections. Dans un premier temps, ces autorités maliennes ont essayé de tenir, mais finalement, ils ont été poussés à définir un agenda qui va les amener à faire des élections pour rétablir, en quelque sorte, la vie politique classique dans ce pays. Or, ce n'est pas ça la renaissance. Ce n'est pas ça la renaissance. La renaissance d'un pays, ce n'est pas renverser les autorités qui étaient là et puis essayer de réécrire une constitution. C'est très bien de vouloir réécrire une constitution, mais est-ce qu'on est sûr au Mali aujourd'hui d'avoir construit un nouvel être malien? Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui d'avoir traité les problèmes de fond au Mali avant d'aller aux élections? Et puis, le pire de toutes ces situations, c'est que les autorités maliennes, convoquant ce référendum, sous pression, ont oublié de dire que le pays n'est pas encore libéré. Il y a encore des espaces au Mali qui sont en possession des djihadistes où l'autorité malienne centrale n'a pas accès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire ce référendum dans une partie du territoire malien et l'autre partie n'aura pas voté. Qu'est-ce qui va se passer demain? Ceux qui n'ont pas voté cette nouvelle constitution, ces gens vont être dans une opposition contre cette nouvelle constitution et les autorités qui vont sortir de cette constitution-là. Donc, il y a un vrai problème au Mali. Les autorités maliennes ne devraient pas. Et ça, c'est la position du Moltra. Nous leur avons écrit. Nous avons contacté les autorités maliennes via l'ambassade du Mali à Genève, où nous avons été reçus. Nous avons discuté avec l'ambassade. Et nous avons adressé un courrier à Assimi Goïta pour dire notre position sur l'ensemble de ces questions-là. Et quel est le chemin que nous voyons qui devrait être pris au Mali pour que le Mali fasse effectivement sa renaissance? Donc là, on va faire un référendum sur un territoire qui est encore sous occupation. Ça crée un énorme problème. C'est-à-dire que non seulement le texte constitutionnel est contesté par une partie significative du peuple, donc j'ai parlé tout à l'heure des hommes de droit, des partis politiques, des associations de la société civile,
une partie de la communauté musulmane conteste ce test et chaque composante avec différentes raisons. En plus de ça, s'ajoute le fait que le territoire malien n'est pas encore totalement libéré. Et on veut faire un référendum. Non, je pense que là, les autorités maliennes sont en train de se fourvoyer. Et il n'y a que ceux qui les aiment qui doivent leur dire cette vérité. Je sais que la question malienne est très sensible. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Les Africains ne veulent pas qu'on parle du Mali parce que dès que vous faites une petite critique à l'endroit des autorités maliennes, on vous traite de suppôts de la France. On dit que vous êtes des amis de la France, que vous voulez que la colonisation continue au Mali. Mais non, c'est pas ça. Nous sommes les premiers à être opposés au colonialisme et à l'exploitation de notre terre. Mais la réalité doit être dite et la vérité doit être dite parce que les autorités maliennes sont en train de se fourvoyer et sont en train de commettre une erreur grave. Il n'y a rien à céder à la soi-disant communauté internationale. Les Maliens doivent suivre leur propre agenda, leur propre raisonnement. Il n'y a rien à attendre de l'étranger. Les Maliens doivent prendre le temps qu'il faut pour véritablement entamer la renaissance et la reconstruction de leur pays. Se précipiter pour aller à un référendum qui va être fait dans ces conditions-là, c'est une faute grave. C'est une faute grave que le Mali va encore payer. Et si on fait ce référendum, le Mali n'est pas sorti de l'auberge. Ça, mes amis, je peux vous le dire. Parce que la vie politique malienne va être remise sur pied et les mêmes pratiques vont recommencer. Le Mali sera obligé de repasser par un coup d'État. S'il y a encore des patriotes dans ce pays qui vont avoir la volonté de reprendre la situation en main et de changer les choses. Donc, ce référendum va créer plus de problèmes qu'il ne va en résoudre. Et là-dessus, d'ailleurs, quelle est la priorité des colonels maliens? Les colonels maliens devraient être clairs. Vous êtes là pour faire la guerre, pour libérer le pays. C'est ça votre priorité. Le seul agenda, le seul projet qui doit préoccuper les colonels maliens, c'est la libération du pays. Le pays est en guerre. Donc, la priorité des priorités, c'est ça. La priorité, ce n'est pas d'aller à une quelconque élection. Donc, prenez le temps qu'il faut pour libérer le pays. Donc, on va faire un référendum. Et après ce référendum, on va se diriger tout droit vers des élections présidentielles. Et ce qui est grave, c'est que la charte de la transition précise que Assimi Goïta et son vice-président ne peuvent même pas être candidats à ces élections-là. Ça veut dire qu'on va faire des élections pour remettre le pays entre les mains de qui? Non! Non, je pense qu'on n'a pas retenu les leçons, les enseignements de l'histoire au Mali. Et ça, ça fait mal au cœur. Je pense qu'on se dirige tout droit vers un échec du projet de la renaissance du Mali parce qu'on n'a pas fait le boulot correctement, on n'a pas fait le travail comme il fallait. On a confondu tout, on a confondu tout et on a cédé quelque part à la pression de l'étranger qui voulait absolument que les autorités maliennes fassent des élections et remettent le pouvoir à des soi-disant civils issus des élections démocratiques. Ça, c'est mortel. La Chine, encore une fois, quand Mao et ses amis ont pris le pouvoir, ils n'ont pas agi comme ça. Ils ont pris le temps nécessaire et ils ont tout reconstruit. Ils ont refondu complètement la vie politique chinoise. Ils ont interdit toutes les pratiques nuisibles dans le pays. Ils ont à la fois activé les leviers de l'éducation d'un côté et les leviers de la répression de l'autre côté. Parce que c'est ça l'État en réalité. L'État, c'est à la fois l'éducateur, un outil, un instrument d'éducation et à la fois un instrument de répression des écarts et des fautes de tout ce qui peut contrevenir à la cohésion et à la paix sociale et aux intérêts généraux. Donc, les autorités maliennes auraient dû prendre ce chemin-là. Mais ces gens, bon, je ne sais pas, je pense qu'ils n'ont pas voulu écouter un certain nombre de personnes. Évidemment, ce n'est pas facile, ils sont dans une position qui n'est pas facile, c'est difficile, évidemment, parce que quand vous recevez toutes les pressions que vous pouvez avoir, le pays qui souffre, la pression de tous les corps constitués, que les colonels n'ont pas pris la peine de dissoudre, de suspendre complètement la vie politique, on permet encore aux partis politiques d'intervenir, des leaders de partis politiques, de la vieille classe politique malienne sont toujours présents dans les médias, s'expriment, s'opposent, expriment leur opposition, cassent
l'unité nationale qui devait être construite en ce moment-là, on laisse toutes ces personnes-là venir encore sur les médias, écrire, parler, dénigrer, casser la transition, s'opposer à cette transition. D'ailleurs, c'est mal nommer les choses que d'appeler ce qui se passe au Mali transition, parce qu'en réalité, il ne fallait pas faire une transition. Ce n'est pas une transition dont le Mali a besoin. Le Mali a besoin des patriotes qui doivent le redresser et le positionner dans la voie de sa renaissance. Donc, déjà une transition pour aller vers quoi? Pour aller vers la restauration. Même si on dote le Mali d'une nouvelle constitution, ça ne règle pas le problème de fond. Parce que la constitution de 92, quelles que soient ses faiblesses, si elle avait été respectée, convenablement, si elle avait été prise au sérieux et respectée, je pense qu'on aurait pu résoudre un certain nombre de problèmes. Mais le problème, ce n'est pas les tests. La beauté du test, c'est bien. Mais ce n'est pas la beauté du test et le caractère du test qui fait le changement dans un pays. Ce sont les comportements des individus. C'est ce que les gens pensent, leur façon de s'organiser, de se comporter, leur rapport avec la chose publique, leur rapport avec leurs compatriotes. C'est l'esprit qui fait, c'est l'esprit populaire et l'esprit, la mentalité qui fait un peuple. Ce n'est pas simplement les textes. Parce que si vous vous dotez des textes qui ne sont pas respectés, eh bien, vous n'avez rien fait. Donc, je pense que là, les colonels maliens sont sur une pente glissante et ça, ça va porter préjudice dans l'avenir. Donc, si c'est encore possible, il faudra absolument que les colonels maliens suspendent absolument la constitution qui est en cours, suspendent le processus qui est en cours parce que ce processus va conduire au chaos et à la déception parce que le Mali va replonger dans le processus électoral habituel et ceux qui savent le plus mentir au peuple, ceux qui savent présenter les choses de manière lénifiante, ceux qui ont le plus de moyens, l'argent va encore reprendre sa place dans ce pays, les fraudes électorales, les partis politiques menteurs qui vont toujours mentir au peuple pour le tromper et lui arracher son vote, tout ça va recommencer au Mali. Donc là, ça ne va pas. Nous disons que s'il est encore possible, il faut que les autorités maliennes cassent le processus qui est en cours, reviennent sur le processus qui est en cours en reconvoquant de nouvelles assises nationales pour refaire les choses. Parce que là, le Mali est en train de dériver. Là, je pense que le processus ne va pas aboutir et le Mali ne va pas renaître dans ces conditions. Donc, il va falloir rapidement convoquer des assises nationales nouvelles pour dénoncer la constitution de 92, amender la charte, renforcer cette charte, de sorte que les colonels maliens, s'ils sont animés véritablement d'un esprit patriote et de la volonté de faire renaître le Mali, de rester au pouvoir et reconstruire ce pays avec les citoyens maliens. C'est ça qu'il faut. Parce que si on se précipite pour soi-disant faire un référendum sur un territoire qui n'est pas reconquis, avec des oppositions internes très fortes, et à la suite de ce référendum, on va préparer les élections présidentielles. Alors là, le Mali ne va pas s'en sortir, chers amis. Le Mali ne va pas s'en sortir comme ça. Parce que dans aucun pays colonisé, des gens n'ont agi de cette façon pour s'en sortir. Prenez l'Asie aujourd'hui. Les Asiatiques sont en train de démontrer au monde entier leur capacité à surmonter le défi colonial. En moins de 50 ans, les pays asiatiques colonisés, humiliés, dominés, écrasés, sont aujourd'hui sur le toit du monde et sont en train de toiser les Occidentaux. Donc, il faut apprendre de l'histoire.